te connaître aussi longtemps. Tu m'as vu quand j'ai commencé à parler, à marcher, dans toutes les situations de 1 à 10 ans. Et tu as soutenu ma mère quand elle était malade. Pour nous, tu n'es pas une union, tu fais partie de notre famille. Et on ne t'oubliera jamais. Tu es dans notre cœur. Et Camille va essayer de chanter une chanson avec son frère Jean-Baptiste qui est au piano. Merci à vous. Et Jackie était toute la ferveur, tout l'amour que vous lui montrez en ce moment. Elle était tout cet amour-là. Merci à vous. Et le bon est l'amour et tout, à sa vie d'amour.
Mais avant le coup de la parole de Dieu, je vais encore inviter la chorale, de chanter. Le cantique que vous allez chanter, c'est le cantique de Tata Jackie et le beau-père. Tata Jackie aimait chanter ce cantique. Parfois, je lui disais, mais pourquoi tu chantes ce cantique chaque fois? Pourquoi? Ô céleste, ma main dans ta main. Ma main dans ta main. Ma main, chante pour ta vie. Et maman, elle s'est pas Thank you.
le monde manque dans les pareilles circonstances pour t'exprimer notre louange, pour t'exprimer notre gratitude. Et pourtant, il est écrit dans ta parole, nous sommes devant toi des étrangers et des immigrés. Nos jours sur terre sont comme l'ombre et il n'y a point d'espoir. Nous le savons bien, mais dans les pareilles circonstances, Père, il est difficile pour nous. Voilà pourquoi, mon Dieu, mon roi, nous te demandons d'illuminer les yeux de nos cœurs afin que ta parole que nous allons écouter pour la circonstance nous apporte consolation, grâce et paix. Tu nous as donné Tata Jackie, tu l'as rappelé auprès de toi. Nous te louons, nous te glorifions, nous t'exaltons, nous te vénérons. Bénis l'instrument que tu t'es choisi, mon Dieu, mon roi, pour nous nourrir, Seigneur. Maintenant, utilise cet instrument puissamment pour la seule gloire de ton nom. Fais taire le moi en lui et que toi, Christ, tu grandisses en ce en lui, afin que ta parole soit vérité, afin que ta parole nous édifie, afin que ta parole nous exhorte d'aller de l'avant, nous qui sommes restés sur cette terre de péché. Merci Seigneur et bénis ces instants pour l'unique et la seule gloire de ton nom. En ton nom puissant Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans Luc au chapitre 13, du verset 22 au verset 30. Luc 13, 22 à 30. Lisons au nom du Seigneur. Il traversait les villes et les villages. Et il enseignait en faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y aura-t-il que peu de gens sauvés ?» Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Dès que le maître de maison ne sera levé et aura fermé la porte, et que restez dehors, vous commencerez à frapper à la porte et à dire, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, vous, je ne sais pas d'où vous êtes. Alors vous commencerez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu enseignais dans nos grandes rues. Et il vous répondra, vous, je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. C'est là qu'il y aura des pleurs et des tressements de temps, quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez chassés dehors. On viendra de l'est et de l'ouest, du nord et du sud, pour s'installer à table dans le royaume de Dieu. Ainsi, il y a les derniers qui seront premiers et les premiers qui seront derniers. Sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est vraie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans son serment sur la montagne, dans son enseignement magistral, Jésus-Christ, au chapitre 6 de l'évangile de Matthieu, au verset 33, déclare « Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Sa justice vous sera donnée par-dessus. Cherchez le royaume de Dieu est donc une chose impérieuse. En quoi donc consiste ce royaume de Dieu? Bien-aimé de le Seigneur,
Nous sommes lecteurs de la Bible. Nous sommes familiers avec ces versets. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. C'est le thème central de l'enseignement de Jésus et le message clé de l'Église. De la société qui fume et massacre. Cherchez le royaume de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le royaume de Dieu est une réalité. Oui, la vie éternelle, on la prépare ici-bas, pas au ciel. C'est ici qu'on prépare le royaume de Dieu. C'est ici qu'on prépare notre vie éternelle. Parce que nous savons, à la fin, nous irons au ciel. Oui, mais nous devons préparer le ciel ici-bas. La vie éternelle ici-bas. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous rappeler que nous sommes ici à la fin d'un discours de Jésus-Christ. Suite à une question qu'on lui avait posée, et en lui posant cette question, combien de personnes seront sauvées? Qui ouvre Isaac à la toi là, et Jésus-Christ, la vie de l'Ontario, mais vous dites qu'elle est tout, pas qui quoi, qui vous gâte. Combien de personnes seront sauvées? Quel est le nombre de personnes qui seront sauvées? Jésus n'avait pas répondu à